Europe 1. Après le scandale Orpea, c'est le groupe de maisons de retraite Korian qui est dans le viseur de la justice. 30 plaintes déposées devant une dizaine de parquets en France pour des faits de maltraitance. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina. Bonjour Romain. Ces actions en justice émanent de plusieurs familles de résidents. Hein. Oui, 18 familles de résidents ont annoncé le dépôt d'une trentaine de plaintes au total. Des plaintes contre X pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire. Le groupe Korian est visé aux quatre coins de la France puisque les parquets de 12 régions différentes ont été saisis, entre autres Aix-en-Provence, Bobigny, Bourges, Marseille ou encore Nantes. Maître Daoud, qui représente le groupe d'EHPAD Korian, confie qu'il n'était pas au courant de ces plaintes. Nous n'étions pas au courant du contenu de ces plaintes. Donc nous l'avons appris à la lecture du Parisien et ce sont des dossiers, pardon pour cette formulation, qui sont des dossiers douloureux dans lesquels les familles n'ont pas accepté les explications qui avaient été données par Korian à la suite d'une réclamation, non pas pénale, mais d'une réclamation d'un membre de la famille. Maître Daoud assure que le groupe Korian se tient à disposition de la justice pour répondre à toutes les questions nécessaires. Merci beaucoup Yasmina.